Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD. On est de retour sur Inazuma Eleven Go Galaxy. Cette fois-ci, on part pour compléter le moveset de notre très cher David Samford. Je n'ai même pas préparé la manette, dites-vous. YouTube, j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez tout à la droite de l'écran. Et écoutez, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc ouais, la dernière fois, du coup, si je me souviens bien, on avait pu avoir, voilà, Dimensional Deluge. La dernière fois, encore après, on avait essayé d'avoir Dribblant Z, sauf que apparemment c'est uniquement en QR code. Et puis bah écoutez, là on va essayer de se trouver Brume Illusoire et on va farmer ça tranquillou. En parlant de ça, quand le retour du Shiny Hunting, c'est pas prévu. Il y a que des techniques à plusieurs, du coup ça le rend moyen. Je comprends mon J49. Trop incroyable, la preuve est dans la VOD. C'est adorable, mon Mathis. C'est adorable. Je vais regarder en même temps si mon très cher Bricoro, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça donne. Tac. Hop. J'imagine qu'il est peut-être en train soit de m'attendre, soit en train de discuter avec son chat. Ouais, c'est ça, il est en train de discuter avec son chat. Hop. On va essayer de l'appeler, voir ce que ça donne. Parce que oui, ce soir, du coup, je suis pas tout seul, je suis avec mon très cher Bricoro. On va attendre, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il répond? Bon, au pire, il répond pas, c'est pas grave, il arrivera à un moment. Après, dans le jeu, ça va encore, je comprends totalement. Honnêtement, moi, j'ai toujours été un plutôt grand fan de David Samford. Je le trouve très stylé, sa forme nouvelle royale, incroyable, tout simplement. Donc ouais, sous-côté, je sais pas. Bien côté, je sais pas. Surcoté, pas du tout, ça c'est sûr et certain. À voir. Bah ouais, c'est ça. Tizen Root. Alors, je vais juste préparer, hop, le site pour pouvoir retrouver, du coup, les techniques. Là, ici, on va essayer de se trouver ces brumes illusoires. Attention au flash blanc, les gars. Hop. On va essayer de se trouver brumes illusoires. Donc, du coup, si je me trompe pas, brume, non, ça se traduit. Qu'est-ce que ce serait le nom en anglais de brume illusoire? Je ne sais plus. Non, ça c'est ballon illusoire, c'est pas pareil. Mais du coup, coucou mon Bri, comment vas-tu? Ça va très très bien, on vient de me donner à boire. Merci mon cher le BG, à ta santé. Exactement, et d'ailleurs, n'hésite pas à faire un petit coucou à YouTube, la VOD est déjà lancée. Hein. Non, t'as pas envie? Il a peut-être pas envie. J'ai l'impression qu'il y a pas envie. Non, il y a pas envie de vous faire un coucou YouTube, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Hein. C'est pas grave. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera Illusion. Après, Illusion Ball, du coup, non. Kira, je pense que c'est... Non, c'est pas ça. Et ça, c'est Kira. Donc non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être le nom anglais de Brume Illusoire? Brumish Illusoire? Oui. Je sais plus, hein. Je sais plus, c'est ça le problème. Pas beaucoup. C'est adorable, mon Matisse. Au pire, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le jeu et ça se trouve, ce sera le même que sur le wiki. On va voir ça. Mystify Mist, c'est possible. Mais je sais, en fait, il y en a une. Ou est-ce que c'est Mystify Mist et il y en a la deuxième ou est-ce que c'est l'autre? Et je sais pas, c'est ça le problème. Et coucou mon Ryuki, comment vas-tu? Ryuki, évidemment. Le GOAT Ryuki. Ah, attendez. C'est pas ça. Bon, sinon, tu vas bien, mon Bricoro? T'as pas fait un coucou à YouTube, du coup, pour quelle raison? Ah, bah écoute, on t'a pas entendu. Ouais, c'est bien ça, c'est Mystify Mist, c'est totalement ça. Merci mon Ryuki, heureusement que t'es là. Donc Misty... Ouais, mais il va pas avoir le même nom sur le wiki, punaise. Bon, dans tous les cas, c'est Mist. C'est sûr à 100%, c'est Mist. Il y a The Mist. Il y a Deep Mist. Deep Mist, pour moi, c'est la version blocage, on est d'accord? Je pense que c'est The Mist, du coup. Ok. Et donc, du coup, je peux l'avoir sur le match des Groves.
dans les matchs amicaux de Miss... comment elle s'appelle? Tori. Ouais, sauf que ça, c'est sur Big Bang. Et moi, je suis sur Supernova. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est Deep Mist encore. Et là, c'est The Mist, Supernova. Et c'est pareil, c'est sur The Grove. Mais cette fois-ci... Ah oui, c'est l'entraîneur dans Galaxy. Ok, ok, on est parti. Ça va, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est tranquille. Ah, merde. Vous entendez pas Brie? Mais vous me le dites pas? Ils entendent pas Brie? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vous entendez pas Brie? Pourtant, ils parlent depuis tout à l'heure. Attends, t'apparais même pas dans mes... dans mes trucs. What the fuck? C'est-à-dire? What the fuck? T'apparais même pas dans mes sorties potentielles? Ah merde. Et moi, il y avait le son du jeu en double et vous me dites pas, bou. Compte à vous si... Attendez, je règle le truc assez rapidement. Voilà, c'est bon. Voilà, tu peux parler pour voir? Bonjour. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nice, parfait. Parfait, parfait. On règle les choses au fur et à mesure. Remont Axel Blaze, du coup, qui est by long sur le serveur SUP. Notre nouveau nouvelle recrue. Hop. On n'est pas... On est en voc privé, mon Axel. On est en voc privé. Eh oui. C'est pas du tout le bon endroit. Bien sûr. Évidemment, évidemment. On a envie de profiter un peu tous les deux, tout ça. La proximité, tout ça, là. Des bisous dans le cou. Hein? Quoi? Hein, quoi? Wesh. De... Quoi? Non, parce que super. Bon, ouais, ça fait longtemps en plus. Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu profiter à deux. Plus de ça, moi j'ai le petit lo-fi, je suis content. Ah oui, c'est vrai, t'avais... T'en es content de ta playlist. Hein. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Bah oui. Enfin, je crois que c'est du coup... C'était The Grove, hein, c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. The Grove. The Grove. Bon forfait, les gars. Il y a 1-0, on forfait. T'es Peking, donc du coup, ce serait de ce côté-là. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il faut que je fasse ce match avant de pouvoir aller farmer le bon match. Très bien. Brie est fort. Bah écoute, on va baisser le son de Brie, hein. On va baisser le son de Brie. Non, bon. Il parlait sur Victory Road, mec. Ah ouais, non, ah. Un but à un monde de la SUP. OMG, mon cher le BG, c'est bien. C'est bien, continue. T'as raison, mon Ryuki, il faut continuer sur cette voie. Non, sur VR. Ah, mais t'avais raison, en plus, il parle réellement de toi sur VR. Hein. Ah. Oh non, je pense pas être fort, mais c'est gentil. Gentil. Bah, surtout que ça fait un moment que t'as pas joué sérieusement, donc c'est un très très gros compliment. Ah oui, oui, bah oui. En ce moment, je joue plus trop, c'est sûr. Mais avec la sortie sur PC, franchement, ça donne envie. Bah, moi aussi, honnêtement. Même moi, ça m'a un peu donné envie. Bon, j'ai toujours plus envie de jouer à Galaxy que VR, mais honnêtement, ça m'a donné un peu envie. Hein. Ouais, toi, t'es drogué à Galaxy, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est un détail. C'est pas possible. D'être aussi drogué. Aussi ouais, ça va. Ça va. En vrai, je pense que là, actuellement, je suis plus drogué par Yo-Kai Watch que par Galaxy. Ah oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer hein, demain, grande chance qu'il y ait un live à partir de 15h sur Yo-Kai Watch. Hein. Je le dis. Voilà. Grande chance. De grandes chances. Et coucou Corban, comment vas-tu? Pardon, excuse-moi, du coup, je te coupe. Non, je disais, ah ouais, le week-end carrément maintenant. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, j'en profite parce que là, actuellement, en ce moment, je suis seul à la maison. Ça dérange personne que je fasse du bruit, etc. Donc, j'en profite. Comprends tout à fait, là. Bah, ouais. Hein. My dream en studio, hein. Ah, putain. Ouais, vraiment. Hein. En vrai, ça me manque énormément, mon indépendance, depuis que je suis parti de Montpellier, quand même. Ah, ouais. Ça... C'est pour ça, si j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit, je suis tout le temps sollicité à cause de mes parents, c'est fou. Aïe, 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 je comprends. VR, il n'y a pas de joueurs de Galaxy. C'est vrai qu'actuellement, sur VR, il n'y a pas de joueurs de Galaxy. Ouais, ils auraient pu mettre Terry, un Matatagi, non, rien. Que dalle. Ouais, hein. C'est dommage. Bah, après, en vrai, sur le jeu complet, ça va sortir, c'est sûr. Mais en même temps, on a envie, tu vois, d'avoir un petit peu... Ah ouais,
Ça, c'est sûr. Hop, attendez, on va faire rien qu'un Terry, franchement, c'est vraiment un acte manqué là pour le coup. Bah oui, surtout qu'il n'y a pas de gardien R à part Clear, qui a même pas de truc stabé. Je suis désolé, mais un wild dunk de Terry aurait été incroyable, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Rien que ça, tu vois. Pire, tu lui mets une deuxième technique et pas à lui, ça c'est pas grave, mais ouais, un petit wild dunk c'est simple, efficace. Ah ouais. Voilà quoi. Mais ouais, même ça, on n'y a pas le droit. Qu'est-ce que tu veux? Mon Alt-Sale Blaze, j'ai déjà fait Terry pour une précédente personne qui était à la SUP. Donc, je sais pas si c'est la bonne. C'est bon choix à faire. Je sais pas. Parce que, en vrai de vrai, c'est là où est-ce que ça va commencer à poser problème si les gens leave, etc. Le clan. C'est. Bah, tu vois, par exemple, BSB, il a Terry et il continue à l'utiliser. Ah ouais, voilà. C'est vrai que c'est... Alors, peut-être mettre des clauses dans tout le genre, tu vois. Ouais. Après, en vrai, il y a une quantité assez grande de joueurs pour que chacun prenne un personnage. Mais bon. Ouais, j'entends. Ah, tiens, crie. Ouais. Sur Galaxy, mon Matisse. Mais c'est normal, hein, c'est... Alors, c'est même pas réellement de l'IA, hein, c'est très clairement un ordinateur, quoi. Oui. Computer. Là, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est s'il se passe quelque chose, il arrive quelque chose, hein. C'est pas... il va réfléchir en fonction d'eux. Enfin, il va pas apprendre, quoi. Vous imaginez de l'intelligence artificielle sur ce genre de vieux jeu? Non mais c'est pas possible les gars. Bah, en tout cas, perso, bon je vais parler de VR. Sur la team level 50, j'ai ressenti qu'il y avait l'IA. Que c'était un peu plus fort et que ça s'était adapté. Oui, totalement. Ou alors juste ils ont... Tu sais, ils ont augmenté l'ordinateur pour lui, tu sais. Fin... Merci Sakoto Hoju. Merci. Ouais, je sais pas, j'ai pas lu le patch en entièreté, tu vois. Mais il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que c'est plus dur la team level 50 qu'avant. Ah, qu'avant en plus? Ah oui. Ok, faudrait que je reteste pour voir. Mais non, mais... Crayon à la sub. Oh, incroyable, GG Crayon. Crayon qui sub du côté de Bricoro, incroyable. 12-0. Potentiellement, à mon Axel, on sait pas. On sait pas. Oh, cette musique, les gars. Oh là là. C'est la musique de la route de glace dans Platine. Mm-hmm. C'est juste avant Free Mappy. En plus, on me donne à voir. Merci. Oh, incroyable. C'est quoi la chaîne Twitch de la personne avec qui t'es en voc? Alors, attendez, je vais vous la mettre. Hop. Hein. Je vais en profiter, je vais vous la mettre, vous l'épingler dans le chat, hein, comme ça vous y avez accès. Non, c'est pas XJT. Non. Hop. Je vais être honnête, je garde pas la leur que chez toi, hein, mon Bri. Parce que à chaque fois qu'il y a une pub, en fait, j'entends mon... Pardon, excuse-moi. Ah, bah ouais, non, mais j'imagine. Je suis désolé pour la pub, d'ailleurs. Non, mais en fait, genre, à chaque fois qu'il y a la pub, j'entends ta voix. Donc ça fait truc en double. Ce qui est très chiant. Et en plus de ça, du coup, il y a un giga décalage. Et coucou Anarlis, comment vas-tu? Ah, force crayon. Force crayon. 17-0. Non, je pense pas. Hein. Honnêtement, je joue cheap, je vais pas faire des gros scores, hein. J'ai pas envie de chercher. Coucou à tous, je suis désolé, sur mon stream, vous verrez pas du haut niveau comme chez Taneige. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai l'impression d'avoir quelques ralentissements, je vais pas me donner d'excuses. En plus, ça me pète à la gueule, super. Oui, je... Et j'ai pas aussi bien bossé que lui, voilà. Faut le dire. J'ai surtout bien tryhard pendant un moment, et puis il y a eu une période où est-ce que tu pouvais plus jouer, donc c'est normal. Bah, puis je sais pas si ça te fait, toi, quand tu te coupes d'un jeu comme ça, après c'est dur de s'y remettre. Ah oui, totalement. Hein. Je sais pas si ça va passer. Ouais. T'as déjà un V1 contre Hugues? Ouais, c'est déjà arrivé, mon J49. Bon, il y a eu des circonstances atténuantes qui faisaient que moi j'avais pas une team strat et lui il avait une team full strat. Donc du coup il m'a pété la gueule. Mais sinon, oui, j'ai déjà joué contre Hugues. Oui. C'est qui Hugues?
Hugues, c'est un autre streamer qui est un peu plus youtubeur. Enfin, quoique. Il fait des grosses stats sur YouTube, mais j'ai l'impression qu'il est plus streamer que youtubeur. Et c'est une personne assez agréable, très, très gentille. Mais qui assume pas qu'il m'a pété la gueule avec, alors que j'avais une team pas entraînée, pas stratégique. Vraiment, tu sais, c'est la fois où est-ce que je faisais ma team fun, mais un peu stratégique. Elle était pas encore complétée ni quoi que ce soit. Il me propose un 1v1 et lui, il me sort une team full strat, tu sais. Ouais, non, bah après... Bah, je pense pas qu'il ait voulu flex, mais enfin, c'était là, quoi. Il a voulu te montrer l'étendue des vrais teams, voilà. C'est tout. Ouais, ouais, oui, non, mais oui. Oui, oui, oui. Je te dis, t'es fort sur vert, c'est 1-4-0. Oui, alors après, au début, ouais. J'ai eu du mal. Hein. Ouais, enfin, moi, j'ai mis un 5-0 à gérer le BG, je suis pas fort sur VR. Hein. Ouais, alors là, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis, ça voudrait dire que Axel est pas fort, si tu dis ça. De quoi? Non, à gérer le BG, pas Axel. Ouais, ouais, mais bon. Quoi? Mais pourquoi? Attends, quoi? T'es en train de dire que moi j'ai foutu. Que j'ai, comment dire? Si je suis ton raisonnement, je vais dire, ouais, moi j'ai foutu 4-0 à Axel, mais je suis pas fort. Tu vois? Quoi? Non? Quoi? Ok, bon, bah d'accord. Ouais. Mais bref, non, justement, pour que ce soit clair, justement, Axel, t'es chaud. Au début, j'ai eu du mal. J'ai failli me le prendre, ce but d'ailleurs. Jusqu'à la deuxième mi-temps, j'ai l'impression que tu t'es relâché, quoi. T'étais un peu dépité, j'ai l'impression. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Parce que normalement, c'est censé être The Grove, et là, c'est The Top Glade. Ouais, alors, Crayon, c'est une fille, c'est ma copine. Ah putain, le match que je dois faire, c'est uniquement avec des joueurs R. Oh, la flemme. Ah, ouais. Oh la flemme. Ça, c'est sur la route de Camélia, ça. Non, pas Camélia. Bah moi, il n'y a pas Camélia. Moi, c'est Tori et c'est... comment il s'appelle, là, l'entraîneur... Merde. Merci. Non, quoi? Non, je sais plus. Peut-être, je sais pas. Je sais plus du tout. J'ai pas Supernova. Moi, j'ai Big Coming. Est-ce qu'il y a une équipe suffisamment forte pour te mettre un point? Ouais, les teams level 99 peuvent me mettre des buts assez facilement. Hein. Ah oui, oui. Là, ici, non. J'ai l'impression que ça bug. Hein. Ah ouais? T'as des ralentissements, des trucs comme ça? Bah, je suis à 50 FPS, mais je sais pas, c'est bizarre. 50 FPS? Ah oui, bah oui, je suis autour de ça aussi. Et là, je suis à 40, je sais pas, c'est très bizarre. Bon, au pire, je réduirai la vitesse, c'est peut-être ça qui me chamboule aussi, c'est que je peux m'habituer à que ce soit aussi rapide. Ah oui, aussi, possible. Possible. Là. Après, j'ai fait faute, donc voilà. Ouais, c'est vrai que quand t'as fait faute, ouais, ça s'est ressenti. Axel, ça s'est ressenti. Il y a ça aussi qui a joué. La faute. Oui, c'est ma copine, Crayon. C'est une fille. C'est ma copine, c'est ma chérie. C'est... Voilà. Une gentille madame. Meuf. Oui, cher. Y'a moi une gentille madame et lui, ma meuf. Mon meuf. J'ai oublié de mettre le kitchen à Hector. Dis donc, je sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais je suis pas très bon. Ça arrive, c'est pas grave. Ouais, c'est un gars. Non mais tout le monde croit que c'est un gars au début, Crayon. Je crois que c'est un pélo. Mais non, c'est pas un pélo, c'est une gentille fille. Très gentille. Un peu lourd. Attends, ça me fait rire. Attendez, je vais mettre le chat sur mon téléphone, ce sera plus simple. Parce que j'ai complètement oublié. Voilà. Ubu. Voilà, elle dit Ubu. Vous voyez, c'est une fille. Ah ouais, c'est forcément une fille. Là. À partir de là, il n'y a plus de débat. Hein. Bah ouais. Ah putain, j'ai presque rien niveau défense du coup. Du coup, bienvenue les gens qui viennent de chez Taneige. Oh, merci Crayon, j'avais soif. C'est vrai que là, j'ai Crayon derrière moi, je peux lui dire j'ai soif, et elle me lèche. Itanakimas, évidemment. Quand ça me fout, qui en attaque? Oh, peut-être un jour, hein, J49. Peut-être. Oh, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi, là. À la limite, je peux peut-être la mettre, là. Je sais pas.
En vrai, là, je vais avoir une bonne offensive sur le côté, donc ça sert à rien, autant taper sur le côté là. Et en vrai, devrait peut-être plus faire un truc comme ça, et là, on est bien. Oh non. Oh non, Crayon, elle veut timed out, NJT. OMG, pourquoi elle veut faire ça? Puis quoi encore? Je sais pas, elle est maléfique, c'est honteux. C'est moi, je trouve faire ça. Une personne qui se surnomme Crayon, ça fait féminin. Bah, pour le coup, ouais. Mais en vrai, on dit un crayon, donc je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, j'ai Sean juste là, il est R, donc ça devrait le faire. C'est peut-être pour le 5-0, ça risque d'être un peu plus compliqué. Excuse-moi, j'arrête pas de te couper mon bris, j'ai plus l'habitude de faire des lives avec d'autres personnes. Non, je disais, j'ai cru que t'avais dit j'ai chaud. D'ailleurs, il fait chaud chez toi. Oh, il fait chaud sa mère, bordel. Ouais, on est d'accord. Ah, oh, il fait chaud, ouais. Putain. J'en peux plus. On n'a pas l'habitude. Ouais, enfin, non. J'ai plus l'habitude. Dis-toi que l'année dernière, j'ai dû, à force de la, avec la chaleur, etc., j'ai dû investir dans une clim. J'essaye de pas trop l'utiliser, mais putain, la tentation. Oh ah ouais. En sachant que j'ai bien... Alors, j'ai bien pris une clim qui consomme presque pas, hein, t'inquiète pas. C'est... Je suis pas un bâtard à prendre des clims bien... bien consommantes, là. Ouais, ouais, le mec va tuer des éléphants avec sa clim, là. Ok. Ouais. Ouais. Non, t'as un effet de retard, je le savais. Non, non, j'ai bien pris la clim qui consommait le moins possible pour pas avoir là... Bon. Non, elle est pas chère, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mais j'ai investi quand même. Ouais. Ah, Axel qui me demande que je peux pas mettre j'ai soif. Alors, il y a un petit cooldown de 5 minutes, je crois, voire un peu plus. Un cooldown, c'est un délai, si jamais. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, les gens, ils me faisaient boire H24. Voilà. donc. Ouais, je me tisse. Comment ça? Je sais qu'elle est riche, Mathiel, mais quand même. Mmh. Bricoro. Quoi? Crayon, elle est riche. Non, pourquoi? Oh, dommage. Pourquoi, tu veux son argent? Non, mais elle aurait pu... t'aurais pu être... mince. Comme moi, une... Merde, comment on dit ça déjà? Une michto, voilà. Ah. Tu veux que je sois sa michto? Ouais. Oh, en vrai, ça peut se faire. Non mais de toute façon mon Bricoro, tu vas devenir streamer, tu vas devenir connu et tout, tu vas avoir v'là l'argent. Donc en fait tu lui vas lui donner, tu lui donnes la thune et en fait c'est toi qui fais la michto. En fait elle fait un investissement là à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'elle sub et tout. Ah voilà. Vous c'est voyez, ça. C'est ça, tard, c'est ça. Ça reviendra, ah oui. Je suis en train de penser que ma meuf le fait même pas. Bah après elle a peut-être pas les sous, voilà quoi. Moi, bon, si, mais t'inquiète, hein. Oh, un petit sub. Tu sais, moi, si j'avais pas tout du Prime, je me subrais à ta chaîne quand même. Non, mais genre, elle a Prime, tu vois. Ah. Elle préfère le mettre à qui, ce Prime? Mais je crois qu'elle l'utilise pas, c'est ça qui me fait chier. Ah, yeah. Bon, au final, je disais, ouais, le 5-0, ça va peut-être être compliqué. Bon, première mi-temps, 5-0. Ouais. Ah. Ouais, est-ce que j'ai bug Discord? Ouais, il y a des moments où j'ai l'impression ça bug un petit peu de ton côté. Les coupures. Bah écoute, la prochaine fois, je prendrai un câble. Un câble? Comment ça? Ouais, je me brancherai à les câbles au port Ethernet, c'est pas grave. Ah ouais. Bah oui, il faut faire ça, mon brillant. Ouais, mais je suis à côté, genre. Ouais, mais il faut quand même me brancher. Bah ouais, mais je vais pas déranger Crayon, tu sais. Je comprends. Bah, je comment ça, il est bien moche le Mixima avec sa Shawn, je le trouve incroyable. Moi, j'ai même pas vu, moi. C'est avec Phobos. Ça demande, c'est Crayon, je vois Inazuma. Oh si, ça doit être bien, Phobos. J'étais vrai seul et j'ai mangé ma glace la dernière. Profite, mon Gozox. Profite. Oh, non. Gozox, il a sa glace. Gozox, tu t'en veux une, j'en ai dans le frigo si jamais. Oh, trop bien.
trop bien, trop bien. Ouais. Il est mid. Non, il est trop bien, ça lui va trop bien. Après, là, il a pas la bonne tenue, hein, donc c'est normal, mais avec l'autre tenue, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai que je l'ai pas encore posté le Miximax d'hier soir. Ouais. C'est vraiment Mathis, il faut que je m'en occupe. Faut que je m'en occupe. Alors, Crayon, je ne peux pas time out quelqu'un qui n'est pas là. Donc, tu on peut pas Bah non, tu peux pas. Enfin, quelqu'un qui n'a jamais parlé sur le chat. Ah, d'accord, oui, ok. JT n'a jamais fait l'honneur de sa présence. Je n'ai pas cette chance, excusez-moi. Oh, le petit tacle, let's go. Ricoro, tu me conseilles d'acheter Golumière ou deux tempêtes de glace? Oh! Oh! Oh, il y a deux. Attends. Ouais, quand même. Quand même, hein. Ouais, deux tempêtes de glace, surtout tempête de glace. Bah ouais, surtout. Tempête de glace, hein. Tu m'aurais dit tempête de feu, bon. Bah en vrai, Golumière, je te comprends, mon J49, mais en même temps. À côté, t'as Tempête de Glace, t'as Shaon avec ses deux formes. Enfin, il y a l'aventure, il y a l'histoire. Honnêtement, l'histoire de Golumière, bon voilà. Le seul avantage de Golumière, bah, c'est son post-game qui est un peu, qui est bien complet, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre avantage? Bah, les esprits guerriers. Les techniques sont un peu oubliables pour certaines. Donc, je sais pas. Ouais, c'est pas fou, hein, Go. Même le mode histoire est plus la merde. Hein. Ouais, pas terrible. Hein. Et puis, même juste pour les moments où est-ce que... Bah, honnêtement, tu fais rien. Pas terrible, tu vois. Ma carte, tu me l'as fait en live. C'est pas prévu, mon Axel Blaze. C'est pas prévu. Surtout que demain, je compte faire du Yo-Kai Watch. Après-demain, je compte faire du Yo-Kai Watch. Mais drogué, les gars. Vous l'avez perdu. Non, mais dis-toi que pour le Buster Event, je compte faire un live 12-13 heures sur Yo-Kai Watch. Hein. Trop bien. Vraiment, à ta santé mon Gozax. T'as dit quelque chose mon Bricoro? Non mais je remercie Anarlis. Je remercie Anarlis, il dit qu'il vient de chez toi. Je me doute parce que tout le monde vient de chez toi. C'est trop gentil. C'est trop gentil de faire la route, de venir claquer un follow, de parler, c'est très gentil. N'oubliez pas ta maison. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Et en tout cas, ça me touche énormément. Donc ouais, c'est là. Mais ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait plaisir de pouvoir te reparler comme ça, mon Murray. Hop. Mm. En vrai, j'ai hâte du cast pour le poster. Ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. Ouais. Kaku, ban Antoine Daniel, STP, il me casse les couilles. Mais il est en vacances. Il est en vacances un mois. What the fuck. Il y a des personnes apparemment qui me connaissent grâce à Hugues, du coup. Hugues? Ouais. Le GOAT en fait. Ouais. Mais bah non, ouais. Mais encore un follow, mais c'est pas possible. Les gars, c'est trop gentil. Merci Corbam, comment tu vas? Corbam. Attends, mais là, mais c'est de la merde, par contre, il faut que je marque ce dernier but. Il faut le faire. C'est quoi le thème de ton équipe? Les joueurs que j'aime bien. Voilà. Ouais, ça me semble être un bon thème. Ouais, bah je pense que c'est non, ça. Non. Ouais, c'est cool. Alors à la base, je voulais faire aussi des adultes comme Taneige, mais bon. Il a eu l'idée avant. Voilà. Donc, c'est tout. Mais rien t'empêche de le faire aussi. Et plus je suis sûr que t'aurais même pas la même team. Sur certains aussi, genre Kagmir, Samford et tout aussi. Mais concernant d'autres, oui, possible que non. Arthur, par exemple, tu l'aurais pris ou tu l'aurais pas pris? Non. Arthur, ah ouais, même s'il est adulte, non. Non, bah c'est pas un perso que j'aime, franchement. C'est... Ok, je comprends. Hop là. Tu veux les 100%, c'est pas possible. Bah, en fait, je veux la technique qui me drop, donc techniquement, oui. Oui, un peu, ce serait sympa. Il y a des fois les joueurs qu'on aime bien, ils sont nuls, donc pas de monsieur Murray. Attends, moi, mais il y a des fois les joueurs qu'on aime bien, ils sont nuls, donc je doute des capacités de monsieur Brie. Comment ça?
Comment ça, tu doutes des capacités de Monsieur Bri? Non, en vrai, de vrai, mon Matisse, moi, dans ma team, il y a des personnages, honnêtement, ils sont pas... Bah, la plupart des personnages de ma team ne sont pas stratégiques, hein. J'ai mis des Miximax stratégiques pour les Miximax, enfin, des persos stratégiques pour les Miximax, mais pour le reste, c'est pas du tout stratégique. Et honnêtement, je pense que si on met vraiment bien n'importe quel joueur... en termes stratégiques, tu peux totalement jouer face à une team qui est stratégique. Hein. Honnêtement, la différence de puissance entre les deux est pas énorme. Donc je pense que n'importe quelle team est jouable en vrai de vrai. Après, peut-être que je me trompe. Non, t'as certainement raison, c'est sûrement jouable. Mais après, oui, il y a des avantages à jouer strat. Tu vas avoir des avantages sur certains points grâce aux petits points en plus, légers points en plus. Dans les stats et tout. Mmh. Après, tant que tu joues pas les fameux Miximax avec 3 esprits techniques, ça reste impossible. Oui. Bah, en fait, c'est juste que je me dis que l'espace entre une équipe stratégique, genre le boost d'une équipe stratégique, imaginons, je sais pas, bah tu vois, mon Sean, techniquement, c'est un perso qui est jouable en équipe stratégique. Il peut taper jusqu'à du 10 000, mais un perso de base, il peut taper jusqu'à du 9 000. Donc en fait, c'est totalement... Ça change pas énormément, tu vois. Donc c'est jouable. Ah oui, tout à fait. Donc c'est jouable. On live. Merci Corbam, merci d'être venu. Merci Corbam. Très gentil. Ah, Axel, il m'a dit faites le boire. OMG. Non, faites un à boire. Voyons, à boire. T'as plus de Chronostones. Oh merde. Chronostones, les gars, c'est mort. Faut que ce soit l'un d'entre vous. Mais oui, mais je peux pas banner JT, il est pas là. 15 000, c'est beaucoup, mon Mathis. Non, il fait du 10 000, il fait du 10 000, Sean. Il fait du 10 000. Oh. Oh, merci Gozox. Oh, merci OMG. Gozox. Qui fait du bien celui-là. Alors, bon bah du coup je vous ai pas présenté ma team, mais je vous la présenterai au fur et à mesure. Voilà. Ok. Voilà, pas grave. Déjà on a Gandares en attaque, parce que c'est stylé, avec Arculus qui sera néant. Ça peut vous rappeler un certain Circulus néant du côté de chez Monsieur Canet. Oui. En plus techniquement c'est le mien hein. Oui, bah oui, on se les a échangés. Oui, c'est vrai. J'ai entendu l'appel à l'aide depuis la vidéo d'un échange. Oh, mais... Eh, Gozox, on croirait pas, hein. Mais quel héros tu fais? Comment ça, on croirait pas? Comment ça? Ça veut dire quoi, ça? Sous ses airs de fan de Yanusho, se cache un garçon au grand cœur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sous ses airs de fan de Yanusho, ça veut dire quoi, ça? C'est vrai, c'est un fan de Yanusho, il s'appelle mangeur de caca sur ton serve. Ah non, sur le mien. Non, sur le tien. Il s'appelle Gazouz. Un peu de gazouz, un peu de limonade. Un peu de limonade, un peu de gazouz. Je sais pas dans quel ordre c'est, je sais plus. C'est un peu de gazouz d'abord et un peu de limonade après. Ah ouais? J'étais persuadé de l'inverse, tu vois. Et coucou, bébé Flowway sur YouTube. Bonsoir, présent depuis le début du live. Pas bavard car je n'ai rien de spécial à dire. Mais tout comme vous, farm sur Inazuma Eleven en général, ça fait grave plaisir de voir ce genre de live pour le début des vacances. Oh, c'est adorable. Bah écoute, profite bien. Continue bien ton farm. N'hésite pas à nous donner des infos de là où est-ce que t'en es dans ton farm. Ça peut être intéressant. Mais du coup, ça fait super plaisir, merci pour ton soutien. Oh, attendez, je vais voir. Je crois que c'est la première fois que je vois Psychic Bow. Ah non, pas du tout, je l'ai vu plein de fois en fait. Je sais pas si les gens sur mon stream du coup entendent, mais quand j'ai un bug Discord, quand ça revient, quand la co revient, j'entends tout ce que t'as dit, mais en hyper accéléré. Oh merde! Hilarant. Oh non! C'est hilarant! On dirait les conditions dans les pubs radio à la fin quand c'est hyper accéléré. Oh putain, merde! Je pense que je vais chercher un câble en vitesse et je vais le brancher. C'est pas possible. Je pense que même pour le stream, ce sera un petit peu mieux. Ouais, ouais. Attendez, je reviens tout de suite. Oula, ça a peut-être coupé le stream, je pense pas. J'espère pas.
ce matin, j'espère pas. Et coucou mon Shuji, bonsoir, comment je pourrais accéder au Twitch de la personne avec toi? Il est épinglé en haut du chat, t'as juste à appuyer sur le lien et tu arrives du côté de Bricoro, tout simplement. Hop, on a réussi là, ici on est bon. Ah quoi? Bah, il était au même niveau que Martin, bon c'est pas grave, il devait être un peu plus avancé. Ah mon Shaun. Ah oui mais du coup Zugi elle en peut plus. 12ème clan avec le plus power sur VR bientôt. Top 10. Ah ouais? Je pensais pas du tout, tu vois. 12ème clan avec le plus de power. Mais pourtant on fait vraiment pas avec le bot hein, pour le coup. Donc c'est assez étonnant. Assez étonnant là pour le coup. Ah, attendez, parce que j'ai pas un autre joueur que je peux améliorer. Là non, là non, là non. Ouais, tous les joueurs que j'ai en fait, tous leurs trucs ont été déjà améliorés. Je savais pas du tout, tu vois, mon Gozox. Et comment tu vois ce genre de choses? Tu pourrais me montrer. Tu pourras me montrer après le live. C'est individuellement, ça regroupe le power de chaque joueur de clan, je crois. Ok. C'est très bon à savoir, ça, mon Gozox. Très très bon à savoir. Tiens, Judgment Ray, ça fait quoi déjà ça? Ah ouais, c'est vrai que c'est stylé ça. C'est horrible mais c'est stylé. Oui. Attendez. Paf, Zugé, non. Je crois pas qu'il va avoir assez pour... ouais. Après, elle peut récupérer la balle. Ok, nice. Je passe à Shaun. Non, Arculus. Hop, ah merde. C'est pas grave, en vrai, je peux faire la passe comme ça. Hop, hop, hop. Ça peut le faire, ça peut le faire. Dommage. Les matchs, ils durent littéralement 15 minutes. Tu vas pas prendre longtemps pour les autres Kappa. Bah, c'est du farm, hein, tu sais, mon Matisse. Donc, ça va être ça en boucle. Et c'est de la chance à partir de maintenant. Et tu vois, je tombe dessus direct. Let's go. Let's go, let's go. Deuxième match, deuxième tentative. On l'a. On peut compléter, du coup, le set de mon Samford. Alors du coup c'était Mystify Mist, je suis en train de me dire peut-être que je l'avais déjà en fait. Peut-être que je l'avais déjà. Et merci Iliam pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Ah attends, le voleur sur Twitch qui a mon YouTube a planté. Lol c'est moi. Ah Baby Flurry, ok. Et au passage, plus simple pour le plaisir et la nostalgie de revoir peu importe la plateforme, des gens stream sur Inazuma Eleven. C'est adorable, merci pour ton soutien. Merci, 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 ça fait super plaisir. Ça va droit au cœur. Ah attendez, du coup il lui manque plus que dribble en Z, sauf que pour l'avoir si je me trompe pas il faut faire le QR code, si je me trompe pas je me l'étais mis de côté, on va essayer de voir si ça marche, vous inquiétez pas, normalement j'ai sauvegardé, il y a tout qui est bon, c'est dans extra, tac, ici QR code, oula, alors déjà avec un écran vert ça va être un peu compliqué, vidéo avancée, système, caméra... image, si je mets l'image, est-ce que ça va fonctionner? Tac, tac. Ok. Non, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Attendez, je suis en train d'essayer de faire le QR code en même temps. Si je mets arrière. Allô? Allô, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Je suis en train d'essayer de faire le QR code, mais ça marche pas, mon bruit. Ah, mais là, c'est trop zoomé. Ah. QR code. Bonjour. Est-ce que tu crois que ça marche si je mets le QR code sur mon téléphone et que je montre à ma cam? Ouais, c'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que t'as fait toi? Ouais. Attends, je vais essayer autrement alors. Enfin, je vais essayer comme ça du coup. Ah merci, merci Shinji. Shuji. J'allais dire Shinji. Shuji pour le follow, merci. Bienvenue à tous les nouveaux follow. Caméra système, Logitech Streamcam. Bon, du coup, si désolé pour cette petite inconvénience. Bon, je vois que tout le monde est parti, il reste un seul viewer, mais voilà, au moins ça buggera plus. J'essaierai de régler ça pour la prochaine fois, promis. Nice. Et du coup, coucou mon Poké Lucario, comment vas-tu? Comment vas-tu? Attendez, je suis en train d'essayer de gérer ce truc-là. Arrière. Ouais. Caméra système. Du coup, pour système. La prochaine fois. Je vais faire passer un câble Ethernet, je vais le foutre avec de la pâte à fixe sur le mur, tu vas voir, ça va être excellent. Pourquoi ça met un écran vert, je comprends pas. Vert? Ouais, ça met un écran vert.
Attendez, j'ai une autre solution. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon téléphone à mon PC. Ouh, merci Anorlix. Putain, mais t'enchaînes les follow, toi, c'est... Non, non, c'est la soif, c'est la soif. Ah, d'accord, ok. Je me suis dit, mais ouais, je suis avec Bricoro, mon Poké Lucario. Un ami à moi, tout simplement, avec qui je joue à Galaxy. Alors, tac, du coup, maintenant, si je fais ça... Mais bien sûr qu'on est amis. Évidemment. Ah. Oh là là. Oh bah, ça me fait un peu mal au cœur que tu y aies pas pensé avant. Oh, des Giro. Ta gueule. Finalement. Attends. Voilà, du coup, ça bug plus. Impeccable. Non, là, ça bug plus du tout. C'est nickel. C'est nickel. Désolé, du coup, c'est pas le moment le plus palpitant de mon côté. Je suis en train d'essayer de faire fonctionner un truc qui a pas l'air de vouloir de fonctionner. Bah, pire qu'il fasse sur le Discord, mais bon. Voilà quoi, c'est chiant. Ah non, mais là, pourquoi ça me met un écran vert alors que je suis littéralement avec, avec le bon truc? Ça n'a aucun sens, frère. Faut mettre l'appareil de derrière. Devant, derrière? Derrière, ouais, derrière. Ah, c'est peut-être pas ça que j'ai fait, alors attendez. Hop. Ah ouais, d'accord, je suis en avant. Non. Et donc là, bah non, ça fonctionne pas. Toi, tu lui farmes Blizzard enflammé sur les défis de Inazuma Eleven 3. Mais qu'est-ce que c'est long. Du coup, je suis en train de fight les Lions du Désert, l'équipe du Qatar, pour monter la technique. Je suis à ma 9ème rencontre et le level up de technique est infernal. Force, mon Yama. Un truc que je peux te conseiller pour up les techniques, c'est plus faire des défis. Parce que ça va beaucoup plus vite et tu peux te soigner entre temps, etc. Ça ira beaucoup mieux. Ouais, faut se mettre à côté d'un point. Hop! Mais bien. Ouais, tu tournes en boucle à côté d'un point de machin et puis ça ira beaucoup plus vite pour augmenter. Hein. Ça veut pas. Hein. Ça veut pas du tout. Je suis en train de faire en même temps et ça veut pas du tout. Hein. Bien système. Prévisualiser. Pourtant, je fais prévisualiser, ça fonctionne. Un souci, Chacha? Ça va? Désolé, parfois je vais parler à Crayon et tout. J'ai une copine en or, hein. Elle accepte que je stream ici. Elle a mis la co pour ça aussi. Là, il y a un câble qui pendouille dans tout son appart. Elle accepte. Enfin, voilà quoi. Ah, c'est bon aussi. C'est bon, les gars. C'est bon. C'est en train de fonctionner. Ah. Oh, nice. Go. Regardez, il y a ma grosse gueule. Le ta neige. Attendez, et du coup, le QR code. Bureau, c'est un pantalon ou pas? De quoi? Monte sous le bureau, t'as un pantalon ou pas? Alors j'ai un short donc moyen. Attendez, du coup. Moi je suis en calbar. Yes. C'est bon, j'ai scanné le QR code. OMG. Yes. Juste yes. Pour Z-slash, let's go. Let's go. Oui, c'est ça. C'est pour Z-slash. Bon, je vais vérifier hein, si c'est bien ça. Ça se trouve, tu m'as envoyé pas du tout le bon et je vais devoir tout refaire. Non. Mais non, mais merci Liam. Le maître de l'acier galvanisé carré, merci. Let's go! Tale of the Toaster dit que Galaxy, Bayon et Quentin sont impossibles à avoir. Si, c'est totalement possible de les avoir, hein, Quentin et Bayon. C'est juste que dans Supernova, c'est plus chiant parce qu'il faut les recruter en dehors du truc, en tout début de jeu, là, quand on va vers l'espace. En fait, vous pouvez choisir certains joueurs. Et dans la liste de Big Bang, il y a Quentin et Bayon. Et dans la liste de Supernova, ils y sont pas. Sauf que pour les avoir, dans Supernova, il faut avoir la prouesse où est-ce que vous avez tous les objets de recrutement. Et du coup, c'est 1000 fois plus chiant que sur Big Bang, tout simplement. Mais c'est totalement possible de les avoir. Regarde, je suis sur Supernova et je les ai. Oui. Hein. C'est juste, ouais, casse-couille, quoi. Bah oui, pour les QR codes, c'est nickel le téléphone. Ah, hop. Et il m'a donné 10 Z/, let's go. On l'a enfin. Parfait. Vois, je donne pas des bêtises. Ouais. Je donne pas des bêtises. C'est pour des bêtises. T'as raison, c'est pour des bêtises. C'est hyper gentil, Liam. Mais bien sûr que t'as bon cœur, ça touche énormément ton soutien, vraiment. Des mots comme ça, des messages comme les tiens et tout, c'est trop gentil. Ah, ça fait plaisir hein, quand on se fait soutenir par la communauté. Incroyable. Hein. Ah, du coup, c'est toi qui farme le blizzard enflammé. Bah, good luck, hein. Nice. Attends, quelle technique.
D'ailleurs, vous préférez quoi, blizzard enflammé ou feu glacé? Ah. Allô, Brie? Ah. Tire de la genèse. En vrai, de vrai, je préfère aussi tire de la genèse. Et merci, mon cher le BG, pour ton avoir. J'avais pas vu, excuse-moi. Hop. À ta santé. Et j'ai le goût aussi. N'hésitez pas à donner à boire à tout le monde, là, hein, parce que bon, à tous vos streamers préférés, s'ils le font, ce qui fait très chaud. Coucou Axel CR7, comment vas-tu? Ah bah écoutez, CR7. Ouais. Du coup, je crois que j'ai fini le moveset de mon David. Bon, il lui manque juste les deux Spirit Big Move. Puis ce sera bon. Ce sera bon. Ça fait plaisir, je suis content. Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Ça va très très bien, on est sur Galaxy, on profite. Pareil pour Buddy, j'ai fini. Vladimir, j'ai fini aussi. Circulus, j'ai fini. Terry, j'ai fini. Oh putain, j'en ai fini beaucoup là quand même. En fait, je crois que c'est un problème de ma souris. De ta souris? Ouais, des fois, elle refuse de faire quoi que ce soit. Je crois que je vais acheter une nouvelle souris à crayon. Ah, bon bah écoutez. Ça lui fera plaisir, je pense. Attendez, une technique qui pourrait être cool à aller chercher, c'est Main Céleste V. Ça pourrait être très très cool. Oh non, j'ai des PTSD de Victory Roll là. Ah, je comprends. Mais ce serait pour mon Siméon gardien. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, le Siméon Majin là. Gardien. C'est vachement drôle ça. Oui, c'est drôle. Et c'est original. J'aime beaucoup. Quel colmon, putain. Ah, attendez, je vais regarder vite fait où est-ce qu'on peut avoir Main Céleste V du coup. On va aller chercher ça. Glacé est cool, mais Blizzard enfamé et sa forme évoluée, si on peut dire. Donc je passe la carte Joker. Attends. J'ai un but là. Je passe la carte Joker sur la page, je dis la technique Supernova de Genesis. Oui. Alors, moi je trouve que Blizzard enflammé, l'animation est un peu nulle. Alors que Feu Glacé est très très beau. Ouais, je peux comprendre. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Et je pense que sur Victory Road, il y a moyen de faire quelque chose. Ça ouais, beau, de ouf. Ça, je suis d'accord. C'est lettre de noblesse. God N W. Quoi? Comment ça, il y a God N W sur Galaxy? Non, c'est double main céleste, oh. Ça. Non, c'est double main céleste. Ah, c'est contre Earth Eleven qu'on peut avoir God N W. Ok. Ok. Et c'est dans ses matchs amicaux à lui. Ok. Là, en parlant de Supernova Genesis, ça va hier. Affronter la team des Alius sur Victory Road. Et j'ai eu le plaisir d'avoir Manchot Spatial en 144 FPS. Nice. Ah nice, incroyable. Bon, du coup, je te laisse regarder mon Poké Lucario, ce que j'ai mis à Aphrodite, en sachant que je l'utilise en milieu défensif. Hein. Donc voilà, tout simplement. Hop. Hein. Et puis, bah écoutez, on va aller essayer d'avoir Main Céleste V. Ça peut être très très cool. Bah ouais. De la fence. Ouais, voilà. Pourrait être pas mal. Surtout que là, c'est les matchs niveau 99, donc ça drop pas énormément. Donc, voilà. Il nous faut du courage, là, ouais. T'as raison. Mais ça va le faire. Je pense, hein. De toute façon, faut pas partir défaitiste. Oui. Ce serait complètement jamais. Débile. Bon, les gars, vous avez pété un câble. 9 followers ce stream. Pogba. Incroyable. C'est trop gentil. C'est grâce à toi, mec. Bah, c'est grâce au live Yokai, hein. Faut se le dire. Ouais. T'as trouvé un bon public. Ils ont l'air trop gentils, en plus. Ouais. Franchement. Ouais. Et puis, j'ai vu sur Twitter, il y a un... Ah, je dois lâcher la manette. Une communauté Yokai Watch. Tu sais, il y a la communauté Inazuma, la communauté machin. Bah, il y en a une Yokai Watch. Elle est ultra ouverte. Ils répondent tous ultra rapidement et tout. C'est trop bien. C'est trop trop bien, frère. Ah ouais, ouais, vraiment. Hein. Je soupçonnais pas ça de Yokai Watch. Ouais. Bah, premier degré, moi aussi. Dis-toi que j'ai lancé mon premier live sur Yokai Watch. Je vais sur Twitter. Je tombe sur la communauté. Je l'avais jamais vu auparavant. Tout est lié. Ouais. Voilà. Hein. C'est Google, il m'a écouté encore une fois. Bah oui, ils écoutent. Hein. C'est Elon Musk, ça. Hein. Ouais, je pense. Hein. Ouah, c'est cet accent nul qu'on a fait, putain. C'est même pas belge. Mais oui, il y a rien. Il y a juste rien, frère.
Bon, moi, on n'enfonce personne. Hein. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu sais comment on obtient les crampons stellaires? Oula. Si tu me parles de IE3, alors je sais que je les avais farmés. À moins que tu me parles des ranked sur Galaxy. Et dans ce cas-là, oui, oui, t'inquiète pas, je sais. Mais crampons stellaires, si je me trompe pas... Attends, je réfléchis. Parce que je sais que c'est des crampons assez intéressants dans IE3. Ouais, ça me tient trop. Ouais, bah ouais. Je saurais plus te dire, faudrait que je me renseigne mon banquier Lucario. Mais non, mais je crois que c'est les ranked, hein. Je sais plus. Du coup, ça me perturbe. Avec tous les différents, ça me perturbe, ouais. Hop, mais trop dans Inazuma. Ouais, alors, c'est ça. Je sais pas si t'as eu le plaisir de jouer au reste de l'histoire sur VR. Non, pas encore. Pas encore. Ah. Il y a des nouveaux équipements, c'est assez drôle, tu verras. Merde, what the fuck? J'ai tapé sur... J'ai voulu faire un hommage à la VR. Le FX, hommage. Oh putain, non. Ça vient de moi. Oh yeah. Le Tsudash, attention. Le Tsudash. Mais tu sais qu'on a failli trouver une technique comme ça avec Tsu la dernière fois qu'on était en vocal sur VR. Oh putain. Il y a toujours quelqu'un qui veut dire qu'il a trouvé quelque chose en premier et s'approprier le nom. Mais oui, alors que c'est sûr à des milliards de pourcents qu'il y a quelqu'un qui est déjà tombé dessus. C'est obligé. Ah oui, bien sûr. Alors attends, en vrai de vrai, j'ai tourné mon Tenma Arion dans Golombia, hein, au sein d'Arion avec le Miximax en Condason. Non, c'est la marque. Je suis imbattable, je prends 0 but avec le monstre que j'ai créé l'an dernier. Et ce matin, j'ai tâté les matchs level 81 et aucun de marqué contre moi. Nice. Tu te fais ton petit perso au fur et à mesure. T'as bien raison. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut jouer à Galaxy. Tu te crées ton équipe comme bon te semble, t'en profites un maximum et puis après c'est parti. Hein. C'est parti. Ça, le jeu est tellement complet, il propose tellement de persos que ce serait dommage de s'arrêter à ceux qui sont les plus forts. Mmh, ouais, c'est clair. Vous voulez ce que vous voulez. Bah dis-toi, c'est la première fois ever que je joue le Shawn adulte alors qu'il est stratégique sur Galaxy. Ouais, manque d'habitude, tu vois. Ouais. Du coup, je suis à fond dans mes musiques. Ah, mais mets-toi bien. Je sais pas du coup si vous m'entendez quand je fais des padapé. Légèrement. Bon, ça va, c'est que ça doit pas être si dérangeant que ça. Bon non, c'est good vibe. Mais du coup, toi, tu laisses la musique du jeu, même en accéléré? Ouais. Ça te va comme ouais, ça? Ouais, j'aime bien. T'as bien raison. Attendez, on va utiliser les nouvelles techniques de Samford. Ah bah oui, mais non, mais je suis en match 99, jamais ça passe. Je suis trop con. Ah ouais. Jamais ça passe, surtout que là c'est technique de défense et technique de dribble. Oh attendez, non si, on va pouvoir voir rupture dimensionnelle. Attendez, ça va être magnifique les gars. Ça va être magnifique, regardez-moi ça. Attention les gars, grand moment. Première rupture dimensionnelle de David Samford qui fait du 1000 de base. What the fuck. Ok. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant. Tu l'as cheaté ton David là. Bah apparemment ouais. C'est le gars, il cheat, mais il est pas au courant. Arculus qui apprend Supernova. Nice. Ah ouais, d'ailleurs, Supernova, putain, quelle technique, même dans Galaxy, hein. Ouais. C'est vrai que c'est une des meilleures, franchement. Oh merde, non. Enfin, oui. Oh non. Oh merde, alors. Tu vas raconter non plus. Alors... Pour avoir les crampons stellaires dans Galaxy, il faut faire le secret et contre les paladins stellaires Space Wanker dans le post-game dans la Galaxy perdue avec les chargements 3DS. Ouais, je sais. J'ai déjà sur certains de mes joueurs dans mon show, ne t'inquiète pas.
Oui, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, David, il est en général, il est sur le banc. Là, il a eu l'occasion de prouver. Ah bah tiens, Falco qui vient de faire aussi Dimensional Déluge. Ah ouais, Falco, le tien ? Non, celui en face. Là, je suis en train de faire Earth Eleven, mais du coup, ils ont des Miximax, etc. Ok. Alors déjà, j'ai combien de points ? Ouais, je peux mettre l'armure enfin sur Vandares. Comment t'as fait pour faire 1000 de base ? Je savais que tu étais un très bon stratège. Bah écoute, merci déjà. Et ensuite, honnêtement, c'est juste les stats de base de Samford. Hein. C'est pas moi qui ai bien investi ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, je l'ai pas amélioré, mon Samford. Je l'ai pas amélioré. Un skill à rien ? De quoi ? T'as vraiment mis aucun skill à rien ? Si, il a chain shoot deux fois et il a deux fois wood boost, mais honnêtement, c'est pas ce qui booste le plus. Bah, mais non, oui, en soi, si, en fait, si ça booste, je suis con. Bah si. Un petit peu pour les deux wood boost, mais pas chain shoot. Ouais, c'est tout. Ouais, allez, un peu de chance. Donnez-moi votre chance, les gars. Donne-moi ta chance, mon Brice, s'il te plaît. Bah, j'en ai plus, mais vas-y, je te donne tout. Tu donnes tout ce que t'as ? Ouais, mec. On va voir maintenant si t'as plus de chance ou si t'en as de nouveau. Si là maintenant j'ai la main céleste, c'est le retour de ta chance, mon Brie. Tu le sais, ça ? Ouais, on en a besoin pour la semaine prochaine. Vas-y. Allez, let's go. Vas-y. C'est maintenant. Ah, pas du tout. Allez. Oh putain, dis-toi que t'as tellement pas de chance que tu m'as donné les deux autres seuls que j'avais pas en dehors de main céleste V. Ah putain. Je suis désolé. Ah, sa chance est négative, les gars. Sa chance est négative. Comme quoi. Aïe. On fait au mieux. Il y a des phases. Voilà, c'est tout. Ouais. Hein. Faut faire avec. On fait avec. On va pas se plaindre. Hein, écoute, il y en a. Mais attends, pourquoi pour la semaine prochaine ? Enfin, dans deux semaines, Buster Event. Ah oui, d'accord, ok. Je me disais bien d'ailleurs, c'est quand en Fable Nébuleuse, là ? Fable Nébuleuse ? Quoi ? Ouais, le V6.5. La carte. Ah ! Oh, waouh ! J'avais pas le nom de l'extension, enfin, tu me l'avais sûrement déjà dit, mais j'avais pas du tout retenu. t'inquiète. Apparemment, elle est flopée. Ah ouais ? Non. Bah, disons que les gens aiment pas les DLC, c'est pour ça, c'est des haters. Ah d'accord, ok. Alors que, regarde, la magnifique Hyper Roi et tout, les cartes promo sont magnifiques. Hein. Bah ouais, elle est super belle. Je comprends pas. Arrêtez deux minutes. Y'a Treasure Pendant pour mieux farmer. Oui, je sais, j'ai déjà ceux qui sont donnés au fur et à mesure. Faudrait que j'en farme un peu plus, mais honnêtement, pour le peu que ça booste, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Tiens, moi j'ai oublié le Treasure Planet. Elle est en négatif, il te baisse ta chance. Et qu'il est de base si nul à chier. Apparemment, tu baisses ma chance. Super, ça fait plaisir. C'est toxique, putain. Mais non, ne te flagelle pas, mon Brie. Non, je me flagellerai pas, promis. C'est le lanceur, l'attaquant et capitaine des ogres, mais c'est max avec shoot escat et avec les tactiques ultimes. Tu sais, du 9999, mon Liam, c'est pas incroyable. Hein. Il y a beaucoup de persos qui font autant. Hein. Beaucoup. Malheureusement. Par contre, là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de mettre mon esprit guerrier sur mon Terry. Ça aurait pu être dangereux, ça. C'est quoi le défi ? C'est 50 000 de puissance qu'il faut atteindre ? Ouais, c'est ça. Surtout que là, tu me parlais de plan parfait, Liam. 9999, c'est pas incroyable, hein. C'est vraiment peu, hein. Ouais. C'est trop bizarre. Parce que dis-toi que Zanark triple esprit technique avec Evera, ça fait du 75 000
sur plan parfait, hein, donc... C'est vrai qu'il y a le plan parfait, putain. Ouais, plan parfait, c'est bien, ouais. C'est grave bien. Après, il faut réussir à le placer, mais c'est grave bien. Ouais. Ouais, t'as intérêt à avoir un perfect pass, quoi. D'ailleurs, Hugues, justement, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui. Il m'a dit qu'il y a un mode qui a été fait par Loïc. Il m'en avait déjà parlé, hein, Loïc, mais il me l'a rappelé. Où est-ce que ça change les équipes level 99 et c'est les équipes des streamers qui ont fait du Go Galaxy à un moment, etc. Et genre, il y a une version où est-ce que les équipes sont level 150 et une autre version où est-ce que les équipes sont level 250. Oh putain, mais comment tu fais? C'est pas possible. Bah, en sachant qu'à des moments, ils te lâchent des plans parfaits, etc. Impossible à contrer, ce genre de choses. Oh mon dieu, mais c'est pas jouable. Ouais. Donc peut-être un jour, se faire ce défi, ça peut être cool. Ça peut être mais cool. C'est pire que l'Ultimate, en fait. Je sais pas, en vrai. Je sais pas. 18 000 avec ta vidéo, comment faire? Ah, t'as regardé ma vidéo, mon Poké Lucario. Nice. Et tu vois, bah, Poké Lucario a réussi à faire du 18 000 avec les conseils que j'ai donnés. Comme quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est pédagogue. Bon. Je comprends mon Liam. Qu'est-ce qu'il y a, mon Ombri? T'es très pédagogue, tu apprends aux autres, c'est beau. Ouais, bah j'avais fait une vidéo, tu sais. Bah c'est celle que tu parlais, je suis trop con. j'ai vraiment deux tuis. C'est la vidéo comment faire du 50 000 de points de dégâts sur Galaxy. Au fait, les gars, j'ai fait une vidéo. Attends, c'est vrai, t'as vu une vidéo? Non, pas moi, toi. Voilà, j'ai vraiment deux tuis, tu vois. C'est vraiment ce que je suis en train de dire, j'ai deux tuis, frère. Vas-y, non, mon Poké Lucario. Mon palmarès, une vidéo sur... VR. Voilà quoi. On m'a volé. Une vidéo ? Ouais, plein, mais bon. Voilà. Ah non, un short, tu veux dire ? Trois vidéos, deux shorts. Ah oui, non, c'est vrai, tu vois, on avait fait version short et version vidéo. Ouais, c'est ça. C'est vrai, j'avais oublié ça. Et oui, qu'on t'a volé, oui. Oui. Ouais. Faut pas le dire. Ah, ça doit pas sortir d'ici. Hein. Vraiment, c'est entre nous, les gens. Hein, mais faut pas le dire. Hein. Ok, les mecs, regardez ça. Je sais pas d'où sort ce perso. Je sais pas, mais je l'aime bien en vrai. Alors, mon Gozox, tu voulais proposer un interclan à la GRG. C'est quoi la GRG? Hein? Je connais pas du tout. Enfin, ça me dit rien du tout. Je pense pas que j'ai le droit. Bah, en vrai, si vous voulez proposer des interclans, vous pouvez. Mais voyez avec les gérants interclans. Parce que tout à l'heure, je regardais le channel interclan et je voyais Sean qui allait partir pour proposer un interclan à une team, etc. Je voyais Bailon qui allait partir pour faire la même chose. Les gars, sachez quand même qu'en interclan, vous représentez la SUP. Donc il faut que ce soit un minimum organisé. Vous pouvez pas partir comme ça et proposer des interclans. C'est pas possible. Donc si vous voulez proposer des interclans, vous allez voir Elhad qui fait un très très bon travail. Même s'il fait des erreurs de temps en temps, honnêtement, ça arrive, c'est pas grave. Mais allez voir Elhad et Tsu quand il sera de nouveau disponible. Ouais. Quand bien même, en plus, là, faut essayer de s'organiser le mieux possible. Donc ouais, essayer de pas... Ouais, pas aller partir partout, quoi. Pas faire de promesses, etc. La dernière fois, on nous a dit encore un interclan, donc si, voilà, peut-être marquer une légère pause, quoi. Aussi. Ouais. Merde. Oh, ouais, après, parce moi, que là, ça enchaîne pas mal, en plus, donc... Puis il y a des choses qui sont prévues. Vous êtes pas forcément au courant de tout ce qui est prévu. Là, je sais que moi, j'en parle en stream, etc., qu'on a prévu de faire un interclan le week-end du Buster Event. Il n'y a pas forcément tout le monde qui est au courant, vous pouvez pas partir comme ça et proposer des interclans alors qu'il y a des choses qui sont prévues. C'est pas possible, les gars. Est-ce qu'il y a un autre moyen de battre les paladins stellaires? De battre les paladins stellaires? Tu parles des Space Rankers, mon Poké Lucario? J'imagine.
Tu disais quelque chose, mon gars ? Non, je disais, ah ouais, il y a un truc prévu pour le Buster Event. Ah ouais ? Ah tiens ! Ouais, bon. Ah tiens ! Attends, moment de chance, les gars. Moment de chance. Est-ce que j'ai la main céleste OP ? Cette fois, c'est la chance à toi. La chance à moi ? C'est ma chance à moi, là ? Ouais, mec. Ok. Ok, ok. Là, voyez, les gars, voyez ce doigt. Alors, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais voyez ce doigt. Ce doigt va appuyer sur le bouton OK. Ok ? Merde, attendez, la souris est pas au bon endroit. Ça va poser problème. Ce doigt-là va appuyer sur le bouton OK. Si ce doigt a de la chance, eh ben, ce doigt a de la chance. Regardez, hop. C'est vrai, ça. Et let's go ! Il a de la chance ! Le doigt a de la chance ! Voilà. OMG ! OMG ! Le doigt a de la chance ! Incroyable ! Fais-lui un bisou. Bisous doigt. Let's go. Let's go, let's go. Merci pour le GG, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Max, c'est GG là. Mettez les emotes supés. C'est quand le Buster Event, c'est du 1er au 4 août, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dans 2 semaines. De quoi ? Pas demain. J'ai dit c'est demain pour rigoler. Waouh, waouh, demain. Ah ouais. Ah, je suis pas prêt, hein. Parce que moi, premier degré, ça me stresse, hein. En vrai, pareil, un petit peu aussi, mais bon, on est assez libre, donc en vrai, c'est pas. Oui, oui, voilà. Oui. Pour la revanche. Ah, c'est pas le bon moment, mon Anarlis. Non, non, non. Pas maintenant. Pas maintenant, la revanche de Hugues. Non, 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 non. Non, 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 non. Dis-toi que là, actuellement, j'ai une team moins stratégique que la dernière fois que je l'ai affronté. Donc, non, 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 non. Non, 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 ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça lui fait pleurer, le pauvre. C'est très gentil, mais là, non, non, non. Il est pression. Ah, vraiment. Ah, punaise. Bah, du coup, j'ai mon Siméon full aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je suis content. Attendez, du coup, je coche un petit peu tout ce que j'ai récupéré. Hop. Hein. Hop. Hein. Là, l'esprit technique, il l'a. Est-ce que... Merde. Merde, mon téléphone. Non, il a pas le deuxième Spirit Big Move ici. Attendez, un autre joueur qu'on pourrait farmer. Une note technique pour un autre joueur. Voilà, du coup, c'est bon. Eh, mais attendez, je crois que tous ceux que j'avais notés, j'ai déjà fini. Ouais. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. On va pouvoir farmer pour mon Caleb. Il lui faut Diffuse Cord et Union Explosive. On va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça, alors attendez. Hop, hop. On va aller juste là. Diffuse. Diffuse Cord. Donc ce serait contre les Cream Hounds. What the fuck, Cream Hounds ? C'est dans quel... Ah, c'est les matchs de Rogloss, ok. Ok, ok. Quand déjà le Buster du 1er au 4 août, hein. Si je dis pas de bêtises, faut que je vérifie hein, quand même. Faut que je vérifie. Cream Hounds, ok. Et sinon... Ah, Diffuse Cord, on peut l'avoir comme ça. Dans un coffre. Ouais, mais c'est plus marrant d'essayer de le dropper. On va essayer de le dropper plutôt. On va aller au Cream Hounds, ça va être pas mal. Bien. Et contre bien, qui l'Inter, ce sera contre la DR. Ce sera contre la DR. Ouais, les bests. Évidemment. D'ailleurs, je l'annonce comme ça. Bon, c'est pas encore totalement officiel. Mais sachez que Mwax, le capitaine de la DR, participera aussi au Buster Event. Enfin, en tout cas, c'est dans les petits papiers. On va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Ça pourrait être vraiment très sympa. Y a pas de raison. Hein. Oui, y a aucune raison que ça se passe pas. On vend des jeux. Oh oui, oh oui. Donc ça va être très très cool. En plus, je sais que c'est une personne très agréable, que ce soit en stream, etc. Même en dehors des streams, vraiment incroyable comme personne. Donc faudra streamer fort, ça. Faut aller streamer fort. Je peux pour 2 heures. Bon, on est celui de 2 heures. Ouais, c'est vraiment ça, mon Matisse. Il y a un chemin facile de 2 minutes. Et un chemin de 2 heures difficile, moi je prends le chemin de 2 heures difficile. Bah du coup je sais pas si t'as compris mon bri, mais en gros j'avais la possibilité soit d'essayer de l'avoir dans un coffre, soit d'aller le chercher.
dans un match amical. Non mais t'as raison. Re-rage. Désolé, je redémarre le jeu. Non mais t'as raison, hein, le risque, c'est cool. C'est cool. Enfin le risque, ouais. Le plaisir de jouer aussi. Bah non, mais c'est surtout, ouais, pouvoir continuer à parler avec les gens, etc. Mais c'est pour... Voilà, c'est ça, mon Mathis, ça fait durer les lives, on profite ensemble. C'est le meilleur. Oh, Virgo, en vrai, elle est stylée. Et 387 de dribble de base, c'est pas mal, hein. Ah ouais, ok. Poulens, ok. Si vous entendez les carillons quand ils sonnent dans mon micro, j'espère que... Ah, moi j'entends pas. Ok, parce qu'il y a le beffroi juste à côté, donc... Le beffroi 15 minutes, ouais, de la ville. Du coup, toutes les 15 minutes, ça sonne. Il y a une petite musique. Ok. Bah écoute, ah merde, ils m'ont volé la balle. J'espère que vous entendez pas. Comment ça va, Brébri, j'entends pas. Comment ça, t'entends pas? Non. Non, c'est pas possible. Elles sont... Oh, ça va. Ah, j'entends pas. Ah oui, t'entends pas les cloches. Enfin, les carillons. Ah ouais, j'ai eu peur. Non, vous entendez les cloches. Si, t'entends. Hop. On va invoquer ici avec Vladimir. Avec son beau Feng Wang. Le Feng Wang de Vladimir. Oh, mais en plus de ça, je trouve Feng Wang, ça va tellement bien avec Vladimir, dans le sens où est-ce que bah c'est techniquement un phénix, et donc le Vladimir comme ça, c'est un peu le Vladimir qui renaît de ses cendres et tout, c'est trop stylé. Réel, c'est vrai, c'est philosophique. C'est trop beau, moi j'adore. Du coup, Rage, pour répondre à ta question, ça va, juste il fait chaud, sa mère, putain. Ouais, il fait chaud. Hein. Je pense que là, avec la chaleur du PC en plus, juste après le live, il faudra que je lance un petit peu la clim, ne serait-ce que 10 minutes peut-être, le temps de rafraîchir, mais fouah. Sinon c'est pour ça, mon jeu il bug. Hein. Le PC il chauffe. Hein. Ah bah ouais, et surtout que toi, c'est un PC portable. Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah c'est ça, mon ref. C'est ça, mon ref, je cherche pas plus loin. Hein. C'est ça. Ça bug moins. Galaxy qui demande plus de puissance que Victory Road. Ah ouais, il fait chaud dans le nord. Il a fait 35 aujourd'hui. Autant qu'à Montpellier. Mais Mangozok, je connais même pas la GRG. Faudrait qu'on soit mis au contact, etc. Et puis faut voir avec elle là déjà s'il a le temps de s'occuper d'organiser ça en plus de tout ce qu'il a organisé. Attends, je crois que je me prends un raid sur mon serveur, c'est bizarre. Ah, oh, un raid? Attends. Je sais pas, y'a que des mecs bizarres. Ouais, ils ont été kick déjà, ok. C'est bon. Alors, moi, le seul truc bizarre que j'ai vu, c'est... c'est la personne en W. Sa personne en W qui a mis un truc... bon, bref. C'est dans le général jeu vidéo, j'ouvre le truc, je vois ça. Ah! Je me suis dit, ah, c'est ça les trucs bizarres! Non, c'est juste qu'il y a 5 personnes qui ont rejoint et qui ont des profils un peu douteux et 5 personnes d'un coup. Mais là, j'arrive même pas à les ban. C'est bizarre. J'arrive pas à les ban? Oui, non, ils sont déjà plus sur le serve. Il y a eu des réactions. Ok. C'est bien. Ça a réagi avant même que tu puisses le voir, c'est nickel. Et merci, mon Axel, pour ton abat. Merci. Oh, il a Pégase Red, lui. Ouais, il y a Pégase Red. Il y a carrément un gars. Ah, ta santé. Son nom Discord, c'est gmail.com. Hein, à la fin. Bon. Attends, bannir. Tac. Ah, petit gigabyte Jazer. En vrai, de vrai, Pégase Red, je le trouve très, très stylé quand même, hein. Gazred, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, dans un des lives précédents, j'avais parlé d'un tweet que j'avais fait parlant du fait que les gens comprenaient pas le principe de Galaxy, ou est-ce que même si les totems dans la stratégie sont nuls, dans le lore, les totems sont beaucoup plus forts que les Kaishin. Et ben sachez qu'il est... Il marche bien et les gens répondent, etc. Et les gens, du coup, comprennent, et ça c'est cool. Voilà. Ah, c'est bon, je kick tout le monde. Allez. C'est bon, on peut reprendre. Nice.
Bah écoute, mon Axel, quand j'aurai un peu de temps devant moi, je ferai ta carte. Honnêtement, ça peut être fait soit ce soir, ouais, quoi que ce soir, un peu chiant parce qu'il faut que je fasse les miniatures, etc. En sachant que j'ai bien enchaîné les dessins là, rien qu'hier soir avec la fusion Siméon-Shawn, au matin j'ai fait Bailong-Byron, j'ai enchaîné là tout à l'heure avec Axel de la SUP. Je vais prendre un petit peu mon temps hein, pour faire ta pépé. Hein. Repose-toi. Mais un petit peu, en sachant que dans tous les cas j'ai les minia à faire pour du coup Galaxy ce soir. Pour être tranquille, pour pouvoir faire mes live yokai tranquillou. Donc on verra. Mais dans tous les cas, j'essaye de te le faire assez rapidement, hein, t'inquiète pas, ce sera fait. Mais faudra patienter un tout petit peu. Ce que je pense est faisable. Pardon, mon bruit. J'ai dit qu'est-ce que je ferais pas sans mon Garnet. Putain, trop fort. Attends, Garnet, c'est qui déjà Garnet? C'est Météo. Ah, défenseur. Ouais. Parle-moi en termes de poste, mon bri. Tu me dis défenseur quel... Défenseur exercice, voilà. C'est ça, parfait. Voilà, là comme ça, je l'ai. Là, je l'ai. Vous parlez en ouga. Parle en langage stratégique, merde. Est-ce que je fais un... Je fais un skiller. Hein? Hein? T'as dit j'ai pété l'intérieur? Oh wow! Ah mec! Ouais, ça peut être dangereux si c'est vrai! Parce que là, c'est de l'air dans tes organes, etc. qui va remonter, ce qui est un peu problématique! Surtout si c'est une grosse quantité! Ouais! T'as fait un gros prout! Le gros bébé, tu sais. J'ai fait un gros. Il y a moi qui parle de problème, ouais, ça peut remonter, machin, etc. Et oui, t'as fait un gros produit. Oh, le gros bébé. Oh putain. Oh merde. Ah, excusez-moi, faut que je reprenne un peu mon calme. Il rigole pour le caca. Non, pour le brut. Ah oui. Ah, c'est une finesse. Bref. Attendez, je vais essayer d'enchaîner, faire un tir de loin avec Shawn et tirer avec le tir en chaîne de Vladimir, en sachant qu'il a le double chain shot et normalement Shawn tire comme un taré. Donc ça peut le faire. Merde. Hop. Aïe, c'est mort. Si je fais ça. Oh non. Merde, je suis trop con. J'ai trop mal joué. Voilà, je le dis, j'ai trop mal joué. On va faire ça. First beat, ça peut passer? Non, ça passe pas. J'ai trop mal joué, les gars. Je suis dégoûté. J'ai trop mal joué. J'aurais pu faire le truc comme je voulais. Au final, j'ai de choc. C'est pour la prochaine fois. Ouais. Ah, bah attends, j'ai peut-être une autre occasion là. Jackknife. Bah, ok, ouais. Ça passe. Attends, le tir. Oh, attendez, ça peut passer. Regardez-moi ça. Ça va monter à combien? Oh non, j'ai plus. Non, les bâtards. En fait, ça m'a proposé le chain shot, mais avec l'armure d'esprit guerrier, bah j'avais plus assez de pété. Ah putain, merde. Ah là. Dégoûté. Quoi, magic ramp? Un tir. C'est un tir bois, si je me trompe pas. Ah, c'est le truc vert là? Ouais, c'est ça. Mince, mais pas loin. Ouais, pas loin. Je suis capable d'accomplir de grandes choses et de réaliser mes rêves, mais en tout cas. Pas sur cette. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Ah ouais, putain, Magic Amp. J'aime pas trop, honnêtement. Pas mal. Je crois que j'ai jamais réellement eu l'occasion de regarder cette technique. Parce que si je me trompe pas, c'est l'X-Star Fleet. Et honnêtement, l'X-Star Fleet, bah, j'ai fait plusieurs fois le match, mais voilà quoi.
Bah, je viens d'avoir tout chez eux, c'est ça le bon point au moins. J'ai peut-être pas fait en S, mais j'ai eu des bottes et. Et des gants. Mais je sais pas s'ils sont bons aussi. Oh, c'est déjà ça. C'est déjà bien. Ah oui, oui, je suis très content. XR Boot. Ah, c'est 35 quand même. Et les gants. C'est les pas glands. Le mieux, mais c'est déjà ça, ouais. Putain. Pourquoi j'ai dit gants? Ah merde. Les gants, du coup, c'est 35 aussi. Alors. Il est où Hector? Hector? Ok, c'est bon. Le chain shot, c'est maintenant. C'est maintenant, les gars. Combien ça va monter? On est à 1200 de base. 3600? Waouh. Il a rajouté 2400, là, le Vladimir. Sans armure d'esprit guerrier. Hein. C'est beau, ça. C'est abusé. Ça veut dire, attendez, avec deux chain shooters, on peut très très vite monter à des valeurs que les gardiens ne peuvent juste pas arrêter, quoi. C'est vrai, ça. Enfin, en tout cas, en fait, genre, l'intérêt des chain shots, c'est vraiment, genre, quand t'es au tout début du match, tu lances un long shot et tu mets tes deux chain shooters. Putain, tu vas te copier, toi, hein. Bah, pour le coup, c'est vraiment pas ma stratégie, hein. C'est à Hugues, encore? Non. Non, non, c'est la... c'est une strat que Craft Royal m'a appris, déjà. Bonjour, Craft Royal. C'est mon ancien capitaine. De la SW. Coucou à lui. Des salutations à SW. Putain, ils sont trop chiants. Je veux pouvoir faire mon putain de tir. C'est fou, ça. Perso, mon clan préféré, c'est ALP. Ouais, je te comprends. Merci. C'est utile de comprendre. Oh merde. Non. Oh merde. Merde alors. Attendez, y'a moyen. Oh. Y'a moyen, ça va le faire. C'est bon. Regardez-moi ça. Attendez, double chain shot là. Double chain shot. Qui je voulais jouer? Non. Les deux. Non. Non. Il a fait. J'ai fail. En fait, genre, je les avais, je les avais mis dans la lignée, mais je leur avais fait faire des allers-retours d'avant en arrière. Sauf que vraiment pile au moment où est-ce que la balle passe, c'était le moment où est-ce qu'ils étaient en dehors de la lignée. Je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. Merci Gozox, merci. Je sais pas ça bien. Strat, tu apprends des longs shots au def et des chaînes aux autres, puis but à gogo. Ouais, faudrait mettre des économies et tout alors. Non, c'est pas rentable parce que du coup ça veut dire qu'il faut que tu investisses tes défenseurs en frappe. Donc ça a aucun intérêt. Ouais, bon, là logiquement ils sont dedans. Un truc dans les oreilles là, ça va pas. Hein. C'est ce qu'on appelle de la cire humaine. C'est du cire humaine. Non. Attendez, 3900. 5900 du 6000 avec deux chain shots. Ouais, pas ouf. C'est le connard. Oh putain de... C'est abusé, frère. C'est abusé. En sachant que les deux techniques de chain shot ne sont même pas augmentées. La violence du bousin. Attendez, j'ai envie de voir Whitehall, moi. C'est trop stylé, Whitehall. Whitehall? Ouais. Troublant? Attendez. Ouais. Oh, c'est troublant. Ouais, pas mal. Pas mal. Moi, je dis... en mode... tu vois, et tout... Non, c'est pas vrai. Dis Wallah. Putain, elle est où la lampe? Elle est là, la lampe. Regardez. Ouah! Ouah, je me prends une flashbang jaune. Oh bordel, merde, force. C'est pas la meilleure lampe. Attendez, j'enlève. Bon bah, c'est bien dans le noir aussi. Comment ça? Attends, comment ça on parle de troublant et après tu parles de... on est bien dans le noir aussi. Les gars, je peux vous filmer mon décolleté si vous voulez, comme les streameuses. Oula. Regardez. Ah ouais. Ah ouais.
Steven Daddy Boobs. Ouais. Hector Atlas. Les gars, une fois, moi, j'étais tombé sur une streameuse. Elle avait mis un caleçon fond vert, ouais. Et elle mettait son gameplay là-dessus. C'était très très drôle. Moi, je trouve que c'est du génie. Mais c'est incroyable, hein, vraiment. C'est le niveau d'ingéniosité, c'est. Ouais, c'est ça. Ça devient génial. Génial, juste génial. Je suis totalement d'accord, c'est incroyable. Attention, faut pas faire ça, hein. Faut laisser l'idée à la personne qui a trouvé. Moi aussi, je veux le faire. Moi, ouais, je le fais. Regardez, j'ai mis un renard rouge à elle, à Tira. Ça lui va bien, je trouve. Oh, tu sais, tu fais ça, mais avec des chaussettes vertes. Ah ouais, pas mal. C'est Gozok, ça va y plaire, ça. Ah ouais, pourquoi? C'est pas Gozok si vous voulez voir mes pieds. Je sais plus. Ah, la dernière fois, il y a eu quelqu'un qui est venu dans mon chat qui m'a dit je peux avoir une photo de tes mains. Wesh. Mais en vrai, je pense que c'était une vanne. Hein. Je pense que c'était une vanne, mais. mais premier degré, sur le coup, j'étais en mode ah ouais, et tout, genre. Mes mains, genre. J'ai peur, hein. Bah ouais, ça fait trop bizarre. Bah ouais. Vas-y, mon Poké Lucario, bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Bon app. Oh, attends, par contre, Dimensional Déluge avec l'armure d'esprit guerrier de mon Sam Ford, donc Fléau Obscur, incroyable. 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 Oh non, quoi, ouais, mon... Je sais plus avec qui j'en parlais de ça, de potentiellement faire les persos qui ont pas de version adulte dans les jeux. Genre par exemple, je sais pas, Flèche de l'équipe Shuriken, etc. Leur faire une version adulte. Ouais. Ça peut être Turner, Victor Hero, quoi. Ça peut être cool. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, je pensais à Flèche, je pensais à Sam Ford, mais en version Empereur... pas Empereur, n'importe quoi. Version Nouvelle Royale. Je pensais à King aussi, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, King, on n'a jamais vu tout court en adulte. Ouais. Je trouve ça ultra frustrant, mais bref. Apparemment, c'est avec Rage que t'avais parlé de ça. Ah, avec Rage? Bah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, de toute façon, je suis tout le temps en vocal avec Rage, donc il y a de grandes chances, ouais. Rage. Trop, trop bien de vocal avec lui. Évidemment. Ça va? Crayon? Ça va? Ouais. Non, le petit renard s'est fait piéger. Le renard est rouge. What the fuck? Non, c'est rien. C'est que le sable n'est pas assez puissant. Oh, ils ont mis Poulen sur le terrain, mais en tant qu'attaquant? Oh, les cons. Mais what the fuck? Poulen, si je me trompe pas, meilleure gardienne de IE2 et IE3. Non, je sais pas si t'as vu, mais le tournoi qu'il va y avoir sur VR, le 1er septembre, le gagnant aura son joueur, enfin son perso dans ça, le jeu. C'est incroyable, c'est incroyable. Après, oui. On a vu un truc de patch note avec personnalisation de joueurs, donc en soi, bon, c'est moins que par exemple, comment elle s'appelait, celle avec son chapeau là. Pants, ouais, c'est ça. Ce sera toujours moins légendaire, mais incroyable quand même. Incroyable, incroyable. Et Remon Gozox, merci pour ton rapport à ta santé. Tac, tac, tac. Hop. T'as raison, t'arrives. Diffuse Cord qui veut pas venir. Hein. Mais également si tu veux. En vrai. De quoi? Je vais le faire si tu veux. Non, ah oui, merde, j'étais pas mute. Je prenais pas. Et bah du coup là il s'est mute, bah d'accord. Il s'est pas mute, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, non. Rien, je vais mettre les lumières. Ah.
Le gars, il se barre du stream, il me prévient même pas, tu sais, genre... À un moment, en plein milieu de la VOD, il va être là. Ouais, oh, salut, hein. Ouais, super. Il va vraiment dire, bon, je sais pas, hein. Donc pour lui, dans sa tête, c'est possible. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah, super, hein. Je prends très très bien, hein. Attendez, j'ai envie d'enchaîner tir d'esprit guerrier avec chain shot. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne niveau dégâts. Là, je suis en train de tenter un tir d'esprit guerrier avec un chain shot. On va voir ce que ça donne. Là, on passe de 1900... Attends, 1700 à 4500, bordel. Oh là là. Merci, Gère le BG, merci, Gère le BG. Mais je crois... Ça a mis un rapport, c'est ça? Ouais, ouais. C'est un amour. Mais plus, attends. J'ai une question. Pourquoi, genre, t'allais dire Gozox, puis quand t'as vu que c'est Gère le BG, t'as été plus content, genre? Oh, mais c'est aussi ça, change! C'est tout! Pas de favori. Pauvre Gozox! Non. J'aime beaucoup mon Gozox, j'aime beaucoup. Dame. Oh attends, il est en train de me la mettre à l'envers, c'est lui qui me met des chain shots. Non. Ah là là, le chain shotter chain shoté. Vraiment. Bon après en vrai je l'arrête je pense rien qu'avec Hunter's Net. Ah quoique non, pas du tout. Absolument pas. Ah franchement Gère le BG c'est adorable, il dit qu'il voyage entre les lives pour donner à boire. C'est trop gentil. Oh. Tu es notre héros. C'est toi Gère le BG qui avait dit dans le général joueur que t'étais là pour porter les boissons, etc. Excellent. Je sais plus si c'était toi. Il est trop gentil, Gère. Évidemment, évidemment. Bon, je lui ai mis 5-0 tout à l'heure, mais soi. Très gentil, très gentil. C'est le gars, il va absolument ramener sa victoire de tout à l'heure. Ah, Crayon, t'as vu le gars qui s'appelait gmail.com? Ouais, non, mais il y a 5 scams qui ont rejoint le serve, je les ai niqués. Mais comment t'as fait pour avoir des scams? Je sais pas, j'ai rien fait. Attendez, hop, hop. J'enchaîne, là ici. Armure. Ok, ok. Alors... Attendez, tir de loin avec armure d'esprit guerrier plus chain shot avec armure d'esprit guerrier. Ça fait 1200. Et ensuite on passe à... 4600! Waouh! Ah oui! Waouh! Oh, c'est ça beau! M'énerve. J'arrive pas! J'arrive pas! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop dur! Qu'est-ce qui est trop dur? De mettre 5-0 à XR Fleet. Ah, je comprends. Je comprends, je comprends. Norzan, Impacto! Hop. Oh non, il fait un gravity point. Oh non. Oh merde. Gravity point. Il remonte à l'EBG. Ok, ça peut le faire, ça peut le faire. Il y a peut-être Samford, ça passe pas. Si, ça passe, je crois. Ça passe, ça passe. Ok, c'est bon, on a Samford. On a forcément Vladimir. Donc 3100. Et ensuite... Attention. Attention, attention. 6400. Let's go. GG. Incroyable. Incroyable. Attendez, j'enlève la cam pour l'instant, les gars. Parce qu'il y a Crayon derrière. Oui, ça gentil. Va, ça va, Crayon, elle se sent bien dans son nouvel appart? On demande si tu te sens bien dans ton nouvel appart. C'est un petit oui, ça. Oh, oh mince. Les glaces, c'est de la flotte, je sais pas pourquoi. Les glaces, ouais, non, mais il est pas assez fort au congélateur. Ah oui, d'accord, ouais. Ça peut être chiant, ça. Mais c'est de la faute à Gozox, il peut manger tout, du coup. Ouais, bah ouais. Gozox, il vient tous les soirs, il prend sa petite glace. Ouais, Gozox, il adore les glaces, tu fais gaffe. Fais gaffe, hein. Attention, hein. Ah, il y a du melon, c'est cool, le melon. Ah, vous êtes plus melon ou pastèque? Moi, j'aime pas les deux. Oh merde! Bah, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça inintéressant. Je comprends. Ouais. Je comprends, mais en même temps, c'est dommage.
Ah mais tu sais, j'en parlais tout à l'heure avec avec Reg. Ils m'ont gueulé, enfin gueulé. Je dis c'est pas possible. J'aime aucun des légumes. Ah, légumes je peux comprendre mais oui. Attends. Si, j'aime bien les pommes Granny Smith mais c'est tout. Ah wow, ah oui c'est très précis hein. Très 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 précis. Non. Il m'a dit pareil. Oui c'est précis, c'est pas pareil les Granny Smith, elles sont acidulées et très bonnes. Je comprends, je comprends. Et du coup, bienvenue à toi, Kiki, 0200. Comment vas-tu? De nouveau sur la chaîne, je voulais déjà tous vous saluer. Je suis tombé sur ta chaîne par pur hasard et me voilà devenu addict à tes VOD post-Galaxy, Go Galaxy. Première fois sur le live, je sais déjà où te laquer mon prime le 27 juillet prochain. Mais incroyable, merci! Merci pour ton soutien. Bienvenue à toi. J'espère bah, du coup que les lives vont autant te plaire que les VOD. Mais addict à mes VOD, foi! C'est... ça me va droit au cœur. Hop, hop. Attendez, Samford, je sais pas s'il va passer. Ah, j'ai l'impression que ça passe, mais de justesse. Et par contre, Samford, il a pu assez. Bon, c'est pas grave. Oui, oui, addict. Ah bah écoute, merci. Merci. Je sais pas ce qui te rend addict, mais bon à savoir. Bon à savoir. C'est toi, mec. C'est toi. C'est moi avec mon flow et mon charisme. Ouais. c'est qui mon attaquant? J'ai oublié. Maman. Quoi? Ton attaquant? Tu sais plus qui est ton attaquant? Ouais, j'ai oublié, mec. Ah, c'est Gandares. Oh wow. C'est Gand Toilette. Il vient de dire exactement, il vient d'acquiescer le fait que j'ai du charisme. Tu vois, c'est très gentil, mon kiki. D'ailleurs, c'est un peu bizarre de dire mon kiki, mais t'inquiète. C'est parti. J'arrive, il y a Tanej qui parle de son charisme. Ça, là, il vous faut mentir, je comprends pas. Oh, t'abuses. Non. T'abuses. On était en train de me saucer et toi, t'arrives, tu me clashes. Oh. Mais du coup, coucou mon Psycho, j'espère que tu vas bien. Oh merde, j'ai utilisé un Majin Zahando pour un tir normal. Mais je comprends pas, pourtant, les Français, ils ont tellement de charisme. Les Tanej qui parlent en français. Tellement de charisme. T'inquiète pas mon Psycho, je le prends pas mal, je joue avec toi, t'inquiète. Je le prends pas mal, après il va pleurer. Hein. C'est la grand-mère qui joue à attraper les modes go. Non, je coupais les modes, c'est pas pareil. Oh. Oui, c'est ce qu'il a dit, il a dit attraper les modes go. C'est choper les modes. Ah, c'est choper les modes. Mais oui, c'est la ah grand-mère. Ah merde, je me souviens plus. Tout à l'heure, on jouait avec la grand-mère. Ah ouais? Ouais, franchement, j'ai raccompagné mamie, c'était super. Comment ça c'était super? Qu'est-ce qu'il y avait de super avec ça? On a passé un bon moment, en plus elle a trouvé un coco bras. Ah attends, apparemment on me dit que potentiellement ton stream a bugué. Non. Ouais, c'est Reg qui me dit ça. Non, j'ai zéro paquet attends, perdu. Je vais vérifier. Non, ça va. Sinon, qu'est-ce qui se passe là? Moi je te vois pas en live hein. Ah oui, zéro spectateur. Ah oui. Ah non, t'es pas en live mon ref hein. T'es plus en live. Là maintenant t'es en live. Quoi? Ah ça va être marrant ça. Trop bien. Bon bah ça te fait deux lives en une soirée, trop bien. Bah ouais, c'est ma VOD, t'inquiète. D'ailleurs, j'en profite, hein. La VOD, une fois qu'on aura terminé ce match, on arrêtera. Hein. On arrêtera la première VOD. Vas-y. Oh, elle est tombée de la cheminée. Comment ça, elle est tombée de la cheminée, la grand-mère, bonjour LBG. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me baragouines? Ouais, mec, deux streams en une soirée, c'est trop bien. Trop fort. Trop fort. Ouais. On dirait si, moi qui ai envie de lancer des streams à 3h du mat. Ah, crois-moi que si je vivais seul, c'est ce que je trouve aussi. Putain. C'est sûr. Je viens de prendre 2 heures de ma vie pour coder un système pour un jeu. Maintenant, faut trouver quel jeu faire. Oh! Et c'est quoi comme. Alors, je connais très peu hein, mon Psycho, donc je vais sûrement dire une énorme connerie.
Mais ça va permettre de faire quoi, quoi comme jeu, ce système de jeu. Oh, ça m'intéresse tellement. J'ai tellement de questions. Oh, j'ai tellement de questions. Mais avant ça, est-ce qu'on aura eu de la chance tout du long de ce live? Est-ce qu'on va avoir enfin Diffuse Cord après le troisième match face au Crimson Hound? C'est maintenant. Est-ce que j'utilise le doigt de la chance, les gens? Est-ce que j'utilise? Mon bris, c'est toi qui me le dis. Non, faut pas trop l'utiliser. J'utilise quel doigt, du coup? Ton majeur. Ah non, faut pas le montrer en stream aussi. Ouais. Ton petit doigt, alors. Mon petit doigt? Allez. On utilise le petit doigt. Le petit doigt. Merde, il faut encore que je positionne la souris. Attendez. Mon Rage aussi, il a dit le majeur. Ah, vous avez peut-être raison, faut utiliser le majeur. Allez, j'utilise le majeur, les gens. Est-ce que le majeur a de la chance? C'est maintenant? Pas du tout, voilà. Non. Sinon, t'aurais fait comme Cyberyog, t'aurais fait des doigts à la cam. Bah, techniquement, c'est un peu ce que j'ai fait, du coup. Mais toi, t'as pas insulté Gozok, ça va. Quoi? Non, ah oui, rien. C'est vrai, oui, d'accord, j'avais pas compris. Mais tu sais que du coup, là, c'est encore dans la VOD, ça peut être ressorti, hein. Oupsie. Ouais, le majeur est méchant, il a pas voulu nous donner de la force. Mais enfin, sur ce, on va pouvoir dire au revoir à la VOD. YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez dans mon chat qui ont pu parler tout au long de ce live. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch pour rencontrer mon très cher Bricoro qui sera bien évidemment dans la description. Sur ce, YouTube, likez, vous abonnez, ça fait toujours extrêmement plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en vrai, YouTube? À partir du moment où est-ce que vous passez un bon moment sur la VOD, c'est le plus important. Sur ce, moi je vous fais des bisous, c'était Taneige et Bricoro. Ciao, YouTube! Salut! 'YouTube, likez, vous abonnez, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous, c'était Taneige. Ciao, YouTube!